Notre présence ici se justifie par la préparation de Prévoyance Authentique à Dakar, comme vous le savez. Donc, depuis 2015, bientôt plus de 2 ans presque, nous préparons Préventica Dakar avec vraiment le partenariat de Préventica International. Et nous sommes à 3 mois de l'événement à Dakar qui va regrouper vraiment aussi bien les acteurs du monde du travail du Sénégal que des 15 pays membres de l'Inter-Africaine. Et Dakar va être un rendez-vous au-delà du rendez-vous du Sénégal, mais un rendez-vous de l'Afrique de l'Ouest sur la maîtrise globale des risques. Donc, en termes d'enjeux, nous ratissons large en passant de la réglementation, en passant par les retours d'expérience par secteur d'activité. Nous allons parler de la formation initiale et continue dans le domaine, et de la sécurité routière qui est un enjeu en Afrique, vu les questions des problèmes d'accidents de travail et les problèmes d'accidents de la route tout court. Donc, toutes ces problématiques seront abordées au cours des 2 journées que nous avons prévues d'animer en termes de congrès et de salons à Dakar, prévus les 3 et 4 octobre prochains. Donc toutes ces problématiques seront abordées et nous allons mettre en œuvre des échanges aussi bien sous-régionaux que des échanges internationaux, donc dans ces questions-là, sur ces problématiques-là, pour pouvoir diffuser le maximum d'informations, le maximum de solutions ou de débits de solutions et à vulgariser auprès de nos compatriotes et des ressortissants de nos pays frères. J'en profite pour lancer une invitation vraiment à tout le monde du travail, aussi bien dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest en particulier, aussi bien du monde du travail formel, que du monde de l'économie informelle, comme nous l'appelons chez nous, qui est une réalité, à venir à Préventica Dakar les 3 et 4 octobre prochains pour se renseigner, pour se sensibiliser, s'informer et se former sur vraiment toutes les mesures de prévention qui vont leur permettre de préserver leur sécurité et leur santé dans les milieux de travail.